Requiem Plague Tale. Fou night, fou. Hey, coucou YouTube, bienvenue pour un nouvel épisode. On démarre immédiatement, attachez vos ceintures, on envoie le générique. Testing, testing. I am the champion. Comment tu sais? Hey, coucou YouTube, bienvenue pour un nouveau Let's Play A Plague Tale Requiem. J'espère que vous allez bien. Donc, attachez vos ceintures. On démarre immédiatement. On n'a pas de temps à perdre. Allez, go, commande, on y va, on appuie sur A. Sous un nouveau soleil. Donc, j'avais fait A Plague Tale le 1 sur la chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à y aller afin de suivre cet épisode. Voilà, en étant à jour. Ok ? Compte sur vous. Waouh. La pinède. Il est juste derrière la poussière. Il va nous attraper. Je suis déjà en plein stress, les amis. Oh putain. Il court trop vite. Quoi ça? Oh là là, ça me fait tout drôle. Oh putain, d'accord. Putain, je crois que c'était vous une bête ou un truc comme ça, quoi. Allez, le sorcier, on est malade. Ralentis, tu vas épuiser notre méchant. Ça, c'est ta tour. Elle est maléfique. Mm-hmm. Ça lui arrive d'être fatigué. Ça me fait trop plaisir de les revoir, les deux. Oh, fais un effort. Le voyage a été très long aujourd'hui. Pitié, ma mère nous a dit de tout faire pour l'épuiser. Fort, sorcier. Elle a vieilli, hein, quand même. Ah, après un coup de vieux, la petite. Hein. Votre mère va se demander où on est passé. La route a été longue. Tu as le droit de te dégourdir les jambes. Oui. Amicia. Waouh. Je te suis. Regarde ça. Un château. Regardez-moi ces décors. Allons voir. C'est magnifique. Des champs de lavande, regardez. Oh ouais, okay. C'est moi qui suis comme un bœuf. Un petit tuto pour nous apprendre c'est les bon touches. Très important pour pas faire de la merde. Regardez comme c'est magnifique. J'adore ton nouveau chez toi. C'est un château. Regarde Fanny. D'accord. Comme c'est chambé, regarde. Lucas le perfide attaque mon château. Ouais mais lui il a été fait pour un ex-gen donc bon. En scarabée. Amicia, il est trop fort. Il faut qu'on se cache. Excellent. Oui. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, et puis lui je vais vous chercher, roi Hugo et... Amicia l'Amazon. Amicia l'Amazon. Alors maintenant, c'est vrai que c'était son petit nom. Viens, Amicia l'Amazon. On doit trouver une bonne cachette. Je serai à vos côtés, majesté. Vite, vite. Bien, gardons-le à l'œil maintenant. Oui, on bougera s'il vient. J'arrive. Il arrive. Allez. Je sens votre peur. Moi, je vais me faire capter. Perfide parmi les perfides. Je jure que je ferai un ragoût avec vos doigts de pied et que je le mangerai. Non, monsieur. Il est horrible. Il est où? Il est où? Vous êtes ici? Où pourriez-vous bien être? Ça, c'est pour nous apprendre à se cacher. C'est excellent, je suis pas bien du tout. Alors là, il est parti là-bas, ok. Tu sais quoi? Nous aussi, on devrait le chasser. Ah oui. Vous êtes buté. Je vous trouverai de toute façon. Ok. Regardez-le, je vais lui faire peur. Excellent, les amis. Excellent. Comment t'as eu? Bien. Bon, je dois repartir étudier maintenant. Lucas. Écoute,
si je veux devenir alchimiste. Mais tu es déjà un alchimiste. Eh oui. Je suis toujours l'apprenti de ta mère. D'accord, retourne à tes études. On va rester encore un peu. Ah, c'est vrai que c'est lui qui nous faisait les popos. Viens, allons voir le reste de ce château. Comme vous voudrez, mon bon roi. Quel château? Ah, là-bas. Je suis content que Lucas soit resté. Moi aussi. Sans lui, on ne serait pas ici. Bon, donc là, on peut pas sprinter avec le gamin, ce qui est normal. Parce que sinon, je le traînerais à mes pieds, mais bon. Ah, c'est... Franchement, c'est un régal. Vas-y. Mais ne tombe pas. C'est un régal pour la vue, là. C'est décor. Oui, bien sûr. Le roi Hugo patrouille sur les remparts de sa forteresse. Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut? Mon royaume. Est-il prospère? Waouh. Il l'était, mais Lucas l'a attaqué. Ah oui, le sorcier maléfique. Oh, une rivière. C'est la mer. Patrouillons par là. Alors là, vous me voyez, je suis bien, je suis tranquille. Dès que je vais voir un rat, je vais flipper ma rat, je vais crier comme une flippette. Ça va être du pur régal pour alors, vous, les poteaux. Mon royaume s'arrête ici. Et du moins bon pour moi. Oui. Un panier. Pourquoi pas? Attention, Amicia, l'Amazon. Navire ennemi en vue. Ils vont nous attaquer. Oh non. Et on traverse où là? Reste à la frontière et coule-les avant qu'ils passent. Ouais. Retourne à ton poste, Amicia. Derrière la branche. Ah d'accord, ok. D'accord. Ma puissante fronde est vôtre. L'armée du sorcier est en route. Je les vois. Nous sauverons votre royaume, majesté. Ah ouais, putain, c'est vrai. Un de moins. C'est vrai que j'ai la fronde, oui, les amis. Continue. Voilà d'autres bateaux. La excellent. Magie noire ne souillera pas ce royaume. Que de la bonne Ah, c'est magie. Excellent, les amis. C'est excellent, c'est oui, une tuerie. Le roi applaudit. Je ne cesse de le dire. Je les écraserai. L'envahisseur était en nombre. Mais nous l'avons. Allez, tranquille. Parce que nous sommes la maison de Rune. C'est qui lui? Bonjour. Bonjour. Je lui ai envoyé un caillou sur la couenne. Non. C'est vrai que ça fait du bruit. Je voulais vous demander. Je peux jouer excellent. Avec vous? Oui, mais. Qui es-tu? Je m'appelle Tona. J'habite dans le coin. D'accord. J'habite dans le château nous au milieu des rats. Et Amicia. Tu sais tirer, Tona? Évidemment que je sais. Chouette! Je suis le roi et elle, c'est ma capitaine. Et on se bat contre l'armée d'un sorcier. Ok, donc je me remets derrière. Donc. Alors, engageons le combat. Wow! T'es vraiment très forte. T'es forte! Mais ouais. Et je continue. Tu es amitié à l'Amazon. Nos défenses sont trop solides pour eux. Soldat Tona. Ça va beaucoup plus vite là. Le canon. Ouais. On ça va plus vite les poteaux. Du calme, majesté. Ouais. Vous commencez à parler comme un petit mec. Amicia, c'est la seule à se battre là. Très bien. Donne-leur un coup de grâce, Tona. Yeah, on les a tous eus quand même. Je pensais que j'allais avoir un trophée, mais non. Ah, excellent. Est-ce que vous avez vu l'eau? C'est bon, les garçons, vous avez gagné. Ils se rendent. Comme elle est bien faite, quoi. C'est. Voilà, tous les détails, je surkiffe, en fait. Faut que je vous laisse. J'ai du travail. Du travail? Oui, à la ferme de mon père, avec mes frères. Ah, d'accord. Est-ce que tout va bien? Je dois y aller. D'un Salut. Coup, il y a un malaise, quand même. Moi, donc. C'est bizarre. Il était gentil. Les Arbis. Allez, en route, majesté. Bizarres Arbis. La guerre est finie. Suivons le cours de cette rivière. Allez. Tu en as coulé des tonnes. Bravo, capitaine. Et Tona était gentil. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien avoir un copain comme lui. Je sais. Eh oui. Mais on s'installera bientôt pour de bon et tu t'en feras des amis. Tu es sûr? Dès qu'on saura comment tu vas. Ça pourrait prendre longtemps. Pas cette fois. Cette fois, c'est différent. Ouais, parce qu'ils ont vécu... Cette fois, c'est toi qui me hisses. Ils ont vécu une sacrée histoire, les amis. Je vais t'aider. Et puis ta barre, t'es trop Dans longue. Le 1. Oh, comment oses-tu? Un jour, je pourrai le faire. Et donc, bien sûr, pour ceux qui ont la Xbox, il est gratuit dans le Game Pass, les potos. Ouais, ce château est... Un bon moyen de se faire plaisir. On l'attaque? Avec juste un abonnement je mensuel. Suis prêt. Maintenant, charge!
Ouais, vas-y. Vas-y, mon Pio. Excellent. Mais il s'essouffle jamais dans le jeu ou quoi? Ça se passe comment? La porte est fermée, capitaine. On fait quoi? Laissez-moi voir. On la casse. Y, on fait. Ah, c'est fermé. Ils nous ont vu venir. Là, un passage secret. Oui. Faufilons-nous. On va se faufiler. Oui, c'est un bon plan. Oh, je sens le mal tout autour de nous. Arrête, tu me fais flipper déjà, meuf. Il fait un peu noir ici. Allez, mon roi. Il n'y a plus d'espoir. Ne s'attend pas à ce qu'on entre en douce. Oui. Oh, les troupes du sorcier ne doivent pas être loin. C'est vrai? Les planches comme ça, putain, ça me fait flipper. Ça se casse la gueule, putain, j'ai peur. Merde, quoi, tu putain, t'es fait mal? J'ai peur d'un, non, d'un trou qui mais se forme, putain, Night. Je suis d'accord. Ça suffit pour aujourd'hui. Putain, oui. Je le savais en plus. Alicia, je l'ai prédit, l'étincelle dans mon cerveau. C'est habité. J'ai les infos avant on le jeu. On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Soyons prudents pour l'instant. Trouver un moyen de sortir du château. Tu ben, ça fallait déjà payer rentrer. On dirait putain, une cheminée. Curieux. Oui. Oh là là. Ah ouais, il y a carrément des gens qui vivent là, hein, puisque il y a des bêtes ensanglantées, découpées en deux. Ok. Il y a des mouches. Putain, Missy à l'Amazon, t'es venu quoi te foutre dans quelle merde tout encore? Tout est brûlé. C'est récent. Ces paniers, ce sont des ruches. Mais pourquoi elles sont brûlées? Je ne sais pas. Pas un bruit, on s'en va. Ouais, la musique là, voilà quoi. C'était peut-être un accident. Où sont les habitants? Ouais, c'est clair. Moi, je vous dis, ils ont tout brûlé parce qu'il y avait des rats. Ou pas? Donc ce jeu, si vous avez peur des rats, des souris, n'y jouez pas. Hein. Quoique j'en ai peur et... Amicia. Et bon, moi je suis fada. Hein. Oh putain, t'es qui toi, monsieur? Que se passe-t-il? Vous êtes combien? Attendez, on ne voulait pas entrer sans permission. On est tombé ici par accident. Monsieur, Lasta, on... s'il te plaît, monsieur, j'étais pas là, c'est pas moi ce qui ai fait le crime. Ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge! Vous êtes des voleurs! Je vais vous couper en morceaux! On doit sortir d'ici! La porte! Oh, non, non! Viens! Vous êtes coincés! Vous irez nulle part! Ah! Ouais, hé, oh, hé! Ben ouais, mais... Ah ben ça commence bien les amis, hein. Je ne vois pas par où faut passer les poteaux. Donc ça on va le passer. Que se passe-t-il? Vous êtes combien? Attendez, on ne voulait pas entrer sans permission. Venez ici! On doit sortir d'ici! La porte! Là! Voilà, merci. Il nous suit toujours! Je l'ai vu après ça les poteaux, il était trop tard. Par ici, il ne nous suivra pas. Vite! Non, il est trop gros. Non, non, monsieur, je voulais rien voler du tout, moi, j'étais pas là. Je ne reviendrai plus, je te jure! Attrape-le! Jake! Pitié, laissez-moi! Je vous en supplie! Non! Non, pitié, non! Il aurait fallu. Oh là 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 là! Voler avec ta bande! Arrêtez, messieurs! Mais c'est des barbares en vrai. C'est comme ça qu'on s'occupe de ces gens-là. J'en ai manqué deux, un garçon et une fille. Tu les as pas vus? Non. Cet homme par terre est le dernier qu'on ait eu. Bon, tue-les si tu les trouves. Bon, on va arrêter. Oh là là, du furtif. Tout ce que j'aime, les amis. Tout ce que j'aime. En tout cas, voilà. Allez-y, tu lâchez-vous. Excusez-moi, j'ai l'oreille qui me gratte. T'es mort. Oh, ça pue, putain. Non, déconne.
Lui, je dois pouvoir le tuer en furtif, non? Ou pas? On passe maintenant. Il faut nous tuer. Non, ils ne nous verront pas. Ok, donc, faut pas rentrer en combat, c'est que du furtif. Mathias, viens! Ils ont salement amoché grand-père. Non. Amicia, non, la maison. Oh, ah, dans la maison. Père devrait rentrer du marché dans pas longtemps. Ouais. Veille sur lui en attendant. On pourrait se cacher ici. Il nous trouverait. On doit continuer. Ok, on continue. Alors, on continue, les amis. Seigneur. Oh. Attention avec le pleurnicher. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Ouais, ça me fait flipper, le pire-tif comme ça, là. J'en ai rien à foutre. C'est... Il bougera pas. Oublie ça. Je cherche. La dernière fois qu'ils viennent ici, je te le dis. On n'a pas besoin de tous les tuer, pauvres cinglés. J'avais juste besoin de boulot. Il faut que je sorte d'ici. Ah, maintenant quoi, RB? Monsieur, tu veux pas bouger là? Ça se passe comment, putain? Ah, viser, ok. Ok, ok, ok. Ah, je vous aurai, pauvres imbéciles. Attends, on se dépêche. Allez. Ok. Là, on est bien, les amis, je suis pas... Ok. What the fuck, hein, les poteaux. Allez, on y va là, on y va là, on y va là. Hop, 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 hop. Ça passe, les amis. Mais elle est où, la charrette? Quelle charrette? Putain, je vois pas de charrette. Ah ouais, ok. Mais non, c'est pas une charrette, ça. Avec moi. Monte. Oui, j'y vais. Ok. Bah, c'est pas une charrette. Charrette, c'est comme un chariot, non? Si je ne m'abuse. Donc là, écoutez, là, on peut pas y aller, si, mais c'est par là, de toute façon. Essayons par là. Ah, par ici, regardez, les amis. Ouais, wow. Ils ont pas touché. En tout cas, je sais pas si vous aimez, mais si vous aimez, commentez, likez, partagez, abonnez-vous dans PayPal. La totale. C'est pour la rime orale. Qu'est-ce que c'est? On y va. Ah ouais, pour le timing. Il a failli nous voir. Oui, il faut qu'on fasse plus attention. Waouh. Quelque part. Où je peux la jeter, la pierre, triple buse? Où?
T'es un ouf ou quoi? Pourquoi tu bouges pas, monsieur? Ouais, le mec, il bouge pas, quoi. Quoi? Maintenez RB. Maintenez RB. Ben. Ah, ok, putain. Si je le lance derrière lui. Ouais, ben moi j'ai un pot. T'es une hache, moi j'ai le pot. T'as pas de pot, hein? Elle était pourrie, les amis. Pourrie. Pitié, dites-moi qu'on peut sortir par là. Oui. Non, c'est Keblo, putain. C'est excellent, les amis. C'est ce mode de jeu, il est terrible. Bon, tu l'ouvres la porte ou... C'est trop lourd, mais tu peux l'ouvrir maintenant. Oui, ton travail. Ouais. Alors, tu passes comment là? Hein? Mais faut dire. Je sais pas. Il faut dire les choses. On peut pas le laisser comme ça. Quoi, tourner en rond pour chier droit, hein, les poteaux. On va se mettre à couper, hein. C'est peut-être mieux. Faut aller. Donc là, le but c'est de bien écouter tous les discours. Parce que ça nous indique souvent ce que l'on doit faire. Arrête! T'es la plus grosse erreur de notre père! Mais je vais arranger ça. Arrête! Hugo, reste derrière moi. Quoi? Vous êtes qui, vous? On s'est perdu, on s'en va. Mais laissez-le partir. T'entends ça, Rémi? Wow. T'es avec ces voleurs? Non, on vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard. Vous avez rien à faire ici. Rémi, occupe-toi d'elle. Et me déçois pas, compris? Comment ça? Mais le garçon, il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Oh là là, je vais devoir me battre. Oh là là. Des QTE. Oh putain. Ouais, ce que tu fais à son frère, gros malade. Mais c'est vrai qu'il a un don, le gamin, il a un don. Tu me souviens? Ouais, il a un don, le gamin, je crois. Le don de manipuler les rats, si je me souviens. Non? Ouais. Quelle mémoire! Quelle mémoire dans l'entonnoir! Ouais, les rues miroir, ça pue. Je l'ai pas dit. Regardez-moi ce joli coucher de soleil. Regarde, Fanny, un peu. C'est waouh! Oh, un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un phénix, dites-moi en commentaire les poteaux. Waouh. C'est excellent. Et oui, c'est un phénix, je crois. Oui. Amicia.
Je l'ai attendu, c'est une tuerie. C'est une tuerie, j'aime. Plusieurs pouces bleus comme ça pour ce jeu. Des millions, des milliers. Où on est? Oh putain, il m'a fait peur. Non. Oh non, ça recommence. Ah ouais, merde. J'ai besoin d'aide. Et oui, c'était, c'est comme dans le 1 en fait. Attends-moi. Là, je vais jouer le gamin maintenant. Tu es tout seul ici? Où est Amicia? Non, t'en vas pas. Respire. Il faut que tu respires. Ça sert à rien de le dire. Où est-ce que tu vas? Ok, il veut m'amener là-haut, regardez. Je dois repartir. Oh, les je décors sont vraiment ma maman. Spectaculaires. Et dans ce jeu, le fait, vous voyez, de pouvoir jouer plusieurs personnages, oui. C'est vraiment kiffant. Quoi. Je suis où? T'es dans un endroit qui est magique, hein, on dirait. Lucas, vous êtes où? Je me sens pas bien. Ah, tu m'étonnes, mon petit bonhomme, là. Waouh! C'est vraiment carrément chambé, hein. J'ai mal! Pitié! Pitié! Tous les détails, les feuilles qui volent. Les coquelicots, regardez. Arrête de crier et aide-moi! Je crois que dans le 1, il y avait des champs de coquelicots, les poteaux d'ailleurs. Allez, trouver. Aide-moi. Il y avait des champs de coquelicots dans le 1, je crois. Non, pas ça. Laisse-moi. Laisse-moi. Vas-y, tu vas t'en sortir. Vas-y, mes gamins. Arrête. Dès que t'as aucune chance, et fonce. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. On ne pourrait pas être à sa place en fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu cries trop fort. Et en fait, c'est bien fait parce que d'accord. Je pense que c'est la transition. J'arrive. Qu'il y a eu au moment où il a tué donc les deux gars. À mon avis, c'est lui qui les a tués grâce à son don. C'est et là, ça. C'est Amicia qui essaie de le réveiller, oui. je pense. Hein. On verra bien. C'est peut-être tout fou. Je peux pas mourir. Faut pas mourir, mes gamins, c'est le début du jeu. En tout cas. Oh, papa. Qu'est-ce que c'est bien fait? Oh là là, t'es dans un piteux état. Ah! De l'eau. Comme l'eau bénite. Ouais, l'eau, regardez. C'est grâce à l'eau. Tu m'as sauvé. Merci. Putain, c'est bien fait, c'est beau. Est-ce que je peux revenir? C'est trop beau ce jeu. Avec quelqu'un. Waouh. Là, pour le moment, 20 sur 20, les amis. Enfin. Tu as bien dormi? J'étais en plein rêve. Ah. Où est-ce qu'on est? Tu as encore rêvé de ton île? Oui. Ouais, mais quel beau rêve. J'étais malade et un grand oiseau est venu. Il m'a sauvé. Un phénix. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Amicia? À la ferme? On jouait ensemble près de la rivière, tu te souviens? Mais tu t'es sentie très fatiguée tout à coup. Alors je t'ai portée sur le retour et tu t'es endormie. C'est peut-être juste un manque de sel dans ton sang. Mais, Amicia... Il y a eu une grosse partie, c'était un rêve, alors? On a fait une longue route, Hugo. On est tous fatigués. Mais la ville rouge est proche. On te fera examiner là-bas. Et nous rencontrerons...
avons un grand alchimiste de l'ordre. Tu te rends compte? Ils connaissent très bien la macula. Ils l'étudient depuis des siècles. Pourtant, personne n'est venu nous aider en Guyane. Ouais, c'est clair. La fuite. Ils ignoraient que l'Inquisition s'en prendrait à nous. Ils sont prêts à nous accueillir maintenant. Ouais, moi j'aurais pas confiance. J'espère que ce sera un bon accueil. C'est certain. La macula n'est pas seulement dans le sang du goût. Alors la macula, en fait, c'est ce qui fait que le gamin, il a le don de manipuler les rats, en fait. Si je me trompe pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait le 1. Qu'est-ce que c'est? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, les potos. Soyons prudents. Voyons voir. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? On cherche une fille et un garçon. Oh putain. Qu'ont-ils fait exactement? Ils se sont introduits sur une propriété. Ouais, c'est ça a mal tourné et ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. Oh putain. Il faut partir maintenant. Oui. Navré, mais nous avons une longue route à parcourir. Bonjour. Ça ne sera pas long. Le garçon, c'est eux. Viens là. Oh merde. Toi, attrape-les. Ne la laissez pas filer. Waouh. Je sais que t'es quelque part par là. Montre-toi. Patronne. Elle est restée dans le chariot. Avance. Reste baissé. Elle est juste là. Elle doit pas être loin. Ouvre l'œil. On devrait aller la chercher dans les champs. J'ai même pas la prendre, quoi. J'ai même pas la prendre, en vrai. Attention, c'est une tête. Elle pourrait être juste à côté de toi. On a de la compagnie. Faut fouiller partout. Eh bien, les amis, j'ai envie de vous dire que la suite se fera au prochain épisode. Merci à tous pour avoir visionné donc cet épisode. On se dit bye bye, à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Qu'est-ce que je fais encore avec ce doigt qui bouge tout seul? Allez, ciao.